yo, ici Laurent des Forêts Explosers en force. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu obéis, j'espère que tu es déterminé à atteindre tes objectifs. Bim, 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 bim. Oh, les coups de pisson, t'as pas les bras cassés. Bim. Ok, j'ai un truc exceptionnel à te montrer, un truc hallucinant. Avec mon groupe, la team Forex Brothers, on est en train de tester différents robots en mode démo, parce qu'on est évidemment, on n'est pas idiot, on va commencer en mode démo pour certains robots, et dès que ça commence à bien fonctionner, eh bien, on passe en mode réel avec un petit capital, et après, on balance, on envoie du lourd, comme le trade, comme le robot un trade par jour. J'allais dire le trade un trade par jour, non, le robot un trade par jour. D'ailleurs, si tu veux voir les résultats du robot un trade par jour, qui a cartonné, je sais, j'ai balancé. Mais en tout cas, tu peux aller voir directement dans la description. Bim, bim, bim. Le truc hallucinant, c'est que ce robot, un autre robot, il ne s'agit pas du robot à trade par jour, il m'a halluciné. Il m'a halluciné et je te montre les résultats maintenant. Ok, donc c'est moi, Laurent, des Forex Brothers. Je suis en train de tester un autre robot que je vais appeler le Faucon. Ah, j'aime bien ce nom, j'aime bien le nom le Faucon. Donc j'ai envie de l'appeler le Faucon. Ce n'est pas son vrai nom, hein. Ce n'est pas le vrai nom du bot. Ça s'appelle pas le Faucon, mais moi, je vais le désigner comme ça, comme le Faucon. Et je voulais simplement te montrer le résultat. C'est-à-dire que j'ai... donc, on a lancé le test avec les bros cette semaine. Donc là, c'est un test en mode démo. Donc là, il ne s'agit pas d'un compte réel. Il s'agit d'un compte en mode démo, d'accord. Donc, sur ce compte démo, j'ai mis 600$ virtuels. Donc, 600 ou 600 euros, comme tu veux. Hein. C'est Kikriv Bourrico. On va dire 600 euros. Donc, 600 euros virtuels. Et je voudrais te montrer le résultat du robot pour... la journée n'est pas terminée, hein. Il est que... il est que quoi, 5h, 4h, je sais plus, à peu près 4h, heure de Paris, d'accord. Et donc, je voulais simplement te montrer les résultats. Donc, ici, tu vois, c'est marqué 17h, c'est parce qu'il y a une heure de décalage avec MT4. Donc, je voulais simplement te montrer les résultats. Alors, je vais me cacher un petit peu pour pas que tu vois tous les résultats. Je vais monter un peu. Donc, tu vois ici, on est en rouge, hein, on est en négatif, il y a du négatif. Donc là, je continue, hein, du négatif, du bleu, du négatif, du bleu. Donc, je continue. Rappelle-toi, il y avait 600 euros au départ de capital, hein, pour aujourd'hui. D'accord, j'ai lancé le robot aujourd'hui, ce matin, voilà, très tôt. Enfin, même hier soir d'ailleurs. Donc, du rouge, hein, donc en négatif. Hein. Voilà, donc voilà, on continue. On continue. Ok, on continue. Hop, là, j'accélère un peu. Donc, tu vois, ça a pris énormément de signaux. Et regarde. Regarde un petit peu, c'est hallucinant. 241,20€. Bon, là, bien sûr, c'est un trade, c'est un compte démo, d'accord. Je précise, hein, c'est un compte virtuel, c'est pas du vrai argent ici. Parce qu'on est en mode test avec les autres bros. Donc, le robot, le Faucon, c'est-à-dire qu'on a mis 600, l'équivalent de 600$ ou 600 euros, comme tu veux, sur un compte démo, donc un compte virtuel. Et en une journée, en une journée, hein, il a fait 241€. En une journée. Un truc de malade. Alors là, c'est à ce moment-là que tu te dis... Mais pourquoi j'ai pas mis du vrai argent? C'est pas possible! Là, il a clôturé toutes ses positions finalement en positif. Et là, il a pris 241€. Si j'avais mis. Donc, on a mis 600€ en virtuel. Mais si c'était en réel, ça serait du 241 en réel. C'est un truc hallucinant. J'ai même pas calculé encore. Je sais même pas combien ça fait. Je crois que ça dépasse les 30%. Déjà, ça dépasse largement les 30% en une journée. Un truc de fou. Alors, je suis curieux de voir ce que ça va donner demain parce que là, ce robot, c'est un truc hallucinant. Est-ce qu'on a oublié quelque chose au niveau des paramètres, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est hallucinant. Donc, si je t'invite dès maintenant à aller dans la description pour avoir d'autres renseignements sur, déjà, premièrement, sur la sortie du rapport volume 2 où il y aura... des explications sur d'autres robots, des stratégies, des explications aussi sur comment copier les meilleurs traders grâce au Sunio Trading, des trucs hallucinants, des gars qui sont capables de faire 500 pips, 1000 pips la semaine, c'est un truc impressionnant. Donc, je t'invite dès maintenant à télécharger le rapport volume 2 qui se trouve dans la description. Et puis aussi à rejoindre les Forex Brothers, en tout cas la newsletter, pour être informé des nouveautés qui vont sortir
J'en perds mes mots tellement je suis impressionné par rapport à ce résultat. Voilà. Pour être informé de toutes les nouveautés qui vont sortir sur nos différents robots. C'est un truc hallucinant. Je ne sais pas si tu vois, mais là, j'hallucine, tout simplement. J'hallucine. Un truc de fou. Tu vois, là, ça a encore continué, là. Ça s'est déplacé, là. C'était pas ça, tout à l'heure, il me semble. Ça a encore continué. C'est un truc de malade. La journée n'est pas terminée. Je ne sais même pas si on ne va pas finir à 300. Ce qui veut dire qu'on finirait à 5, plus 50% en une journée. Un truc hallucinant. Bien sûr, à mon avis... Si c'est un truc aussi puissant, évidemment, c'est un robot aussi risqué. Non, mais en tout cas, on continue nos recherches, on continue nos tests. Et c'est un truc hallucinant, hallucinant. Un gros big up à toi. Pense à t'abonner. Pense à... Tu vois, ça a encore changé. Tu vois, 274. À mon avis, ça va dépasser les 300, c'est sûr et certain. C'est un truc hallucinant. Hey, c'est pas menti, t'as bien vu la différence. Un truc de fou. Ok, pense à t'abonner. Pense à rejoindre les Forex Brothers. Parce que là, on est une team, on est un groupe, on s'entraide et on cherche vraiment des solutions, comme tu peux le constater. Et on teste vraiment les robots et on cherche vraiment à que chaque personne puisse réussir dans le groupe. Voilà, donc un gros big up à toi, pense à t'abonner, pense à cliquer sur la cloche. Pense aussi à mettre un like, un truc hallucinant, un truc wow, j'en perds les mots. Wow, c'est trop, wow. Juste pour la journée, mon gars, est-ce que tu as vu le résultat de ce bot? Mais man, c'est quoi ce bot? C'est quoi ce robot? Un truc hallucinant! T'as vu le résultat? Oh man, j'hallucine! Un truc de fou, un truc de malade, un truc de dingue! Mais comment il fait? Comment il fait? Je t'invite dès maintenant à aller dans la description en bas de la vidéo pour avoir... Déjà, des renseignements sur le rapport volume 2 qui est sorti, qui est dans les bacs, où tu auras des informations exceptionnelles sur différents robots, tu auras des informations exceptionnelles sur des signaux de trading, comment rencontrer les meilleurs traders de la planète pour les copier, pour les observer et pour apprendre d'eux surtout. Et puis, tu auras énormément d'autres choses qui vont t'aider à avoir du cash sur le Forex. En tout cas, je l'espère. Évidemment, les gains du passé ne garantissent pas les gains du futur, ça tout le monde le sait. Le Forex est un marché hyper dangereux, tu peux perdre tout ton capital, ça tout le monde le sait aussi également. Mais celui qui ne risque rien, n'a rien, tout simplement. Mais j'hallucine quand même! Comment ce bot a fait? Wow, man! Rendez-vous pour le prochain épisode. Big up à toi, ciao!